Bienvenue à l'AIGNB. Est-ce la première fois que vous déposez une demande pour obtenir le titre professionnel d'ingénieur ou de géoscientifique? Et avez-vous obtenu votre baccalauréat au Canada? Détenez-vous les antécédents universitaires et l'expérience nécessaire? Faites-vous preuve d'une bonne éthique et de bonnes mœurs? Si oui, voici en bref ce qu'il vous faut pour vous aider dans ce processus. Tout commence avec un formulaire de demande d'inscription dûment rempli qui se trouve sur notre site Web sous l'onglet « Ressources membres ». Recherchez le formulaire de demande d'inscription particulier. Remplissez toutes les sections qui s'appliquent. Au moment de nous faire parvenir votre demande d'inscription, assurez-vous d'y joindre une copie de preuve de votre citoyenneté canadienne ou de résidence permanente au Canada. On acceptera une copie de votre passeport, de votre certificat de naissance, de votre carte de résident permanent au Canada ou tout autre document de ce genre émis par le gouvernement. Il nous faudra des relevés de notes officielles des universités que vous avez fréquentées comme preuve que vous avez effectivement obtenu un diplôme. Il nous faudra aussi une description détaillée de votre travail en génie et en sciences de terre depuis l'obtention de votre diplôme. Si vous avez déjà remis des journaux en tant que membre stagiaire, la plupart de ces exigences ont été déjà remplies. Dans le cadre de votre demande d'inscription, vous aurez à donner le nom et les coordonnées pour des références d'au moins 3 ingénieurs ou géoscientifiques, de préférence des superviseurs directs qui peuvent attester au moins 48 mois d'expérience récente. Il faut au moins 48 mois d'expérience de travail avant de pouvoir s'inscrire. 12 de ces mois d'expérience doivent avoir été acquis en travaillant dans des conditions de travail canadiennes. Veuillez noter que cela ne signifie pas strictement dans les frontières géographiques canadiennes. Vous devez par la suite démontrer vos connaissances de la loi et de l'éthique en réussissant l'examen national sur l'exercice de la profession ou un équivalent. Vous pouvez déposer votre demande d'inscription avant d'avoir passé cet examen. Enfin, il faut payer les droits d'inscription et la cotisation annuelle. Si vous le souhaitez, ceux-ci peuvent être payés en ligne par l'entremise de notre site Web. Si vous avez déjà déposé certains de ces éléments en tant que membre stagiaire, ce n'est pas nécessaire de nous les soumettre de nouveau, sauf si quelque chose a changé ou un élément est arrivé à échéance. Par exemple, un changement de nom ou l'obtention d'autres diplômes. Si vous avez des questions particulières au sujet du processus d'inscription, veuillez communiquer avec nous directement à l'adresse info @apegnb.com ou au 1-888-458-8083.